Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Au Kasaï occidental en général et dans la ville de Kananga en particulier, le député national, l'honorable Lubaya Claudel André, jouit d'une popularité on ne peut plus légendaire. Il est comme un produit que l'on consomme dans cette ville sans modération grâce à ses savoirs être et faire. Pour preuve, une fois de plus, à l'occasion de ses vacances parlementaires passées dans le chef-lieu du Kasaï occidental qui est sa circonscription électorale, l'homme a fait l'objet d'un accueil délirant lui réservé par la population. Tout a commencé le lundi 25 août 2014 à 11h quand a atterri à l'aéroport national de Lungandu l'avion de la compagnie CAA à bord duquel se trouvait cet ancien gouverneur du Kasaï occidental. Et dès sa sortie de l'avion, des cris de joie ont fusé de partout. Lubaya a foulé le sol de ses ancêtres. Claudel André Lubaya était accompagné d'une marée humaine sans précédent. Hommes, femmes, enfants sortaient de partout et s'émassaient le long de la route pour venir non seulement les voir mais aussi pour les toucher. Geste qui ne refusait en aucune fois Claudel André Lubaya sur tous les tronçons depuis l'aéroport en passant par le marché Tchambadiba, la gare SNCC, la place dite Batetela jusqu'à l'esplanade de la paroisse catholique Notre-Dame de Kananga qu'il a d'ailleurs parcouru à 98% à pied sans se lasser. Les limbes, j'en ai un peu plus.
Partout où il passait, des mamans ne cessaient de lui brandir avec des ovations le méca, petit saut, unité de mesure de maïs que cet élu du peuple congolais avait imposé dans cette ville quand il était encore gouverneur. Communément appelée Lubaya, cette mesure de vente et ou achat de maïs a pu soulager en ce temps les Kanangais et Kanangais jadis clochardisés. Arrivé au point de chute de sa marche, nous sommes là à la place Notre-Dame dans la commune de Katoka. Lubaya a dansé avant de s'exprimer devant la marée humaine. De retour à sa résidence située à Kananga 2, l'élu de Kananga a été cueilli à chaud par les chevaliers de la plume, du micro et de la caméra de la ville de Kananga et l'homme n'a pas pu garder sa langue de bois. Et c'était le premier jour. Oshia bilomba ni wakule, rubaye, taimaye.